She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Tata Agnès, Tata Agnès, elle va venir me... Mais ça dit, avant que je monte sur scène, avant que je monte sur scène, la personne qui va me présenter me dit, la star, celle qui a la voix d'ange, celle qui a la voix, celle même, elle n'est même plus à présenter. Recevons On commence comme ça. Maintenant, il y aura aussi les artistes invités. Les artistes invités. Ceux mêmes qui vont venir guincher même. Hey, tata Angel. Bijou. Tata Patricia. Tata Magnifique. Tata Jolina. Elles sont aussi les artistes invités. Tata Evelyne. Tata Evelyne même là même. Non! Il a dit qu'elle va monter sur scène même là. Devin? Merci beaucoup, on est là. Donc, commencez à vous asseoir. Ce n'est pas du jeu, en fait. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Commencez à vous apprêter. Parce que quand ça va... Pour le moment, vous me négligez. Comme je parle, je ris. Vous me négligez. Maman Bio, quand elle va venir là, ça dit elle, c'est pour mettre le show en fait. Quand tout le monde est fatigué, on a trop chanté et tout là, elle vient en même temps. Elle commence à faire dinguerie, je suis choquée. Elle dit toute la salle est en feu. En tout cas, commencez à apprêter, commencez à cotiser. Commencez à cotiser. Et Jamila même, c'est pour. Jamila, ne vous inquiétez. Jamila, elle, son. Jamila. Jamila, elle a son rôle. Les conseils aussi. Antara, lui, sera le comédien. Voilà, le comédien, truc. Mais si elle fait partie des danseuses aussi. Mais si elle c'est la danseuse même. Voilà, la chef de gang. Elle, quand elle arrive comme ça, là. En tout cas, commencez à vous apprêter. Le conseil. C'est le 16 janvier. Applaudissez pour la date. Le concert, c'est le 16 janvier. Maman, j'ai le 16 janvier. C'est-à-dire quand je monte sur scène comme ça, tout le monde, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité, les tatas ou les mamans. Aïe, mon concert, comment ça concerne qui? Tu viens d'arriver? Maman Livia garde quoi? Maman Livia garde quoi? Comment? Non! Maman Livia est la danseuse. C'est Jamila qui sera le garde corps. Jamila. Oui, maman coach à mon chic. Non, maman coach à mon chic, elle fait partie des gens qui vont venir travailler et tout. Et puis elle va monter, elle va parler, elle peut faire mes attaques à la cour. Oui, Théma, Théma, non, Théma, lui, quand il vient comme ça, là, oh, aïe, ça va pêcher, ça, là, même, il n'y a plus rien à dire dedans. Et puis, arrive un moment, non, on doit bien préparer ça, même, on doit très bien préparer. Je vous ai déjà donné la date, commencez à cotiser, voilà, commencez à cotiser. Les tickets, vous allez, c'est-à-dire le jour J, vous payez vos tickets le jour J, vos tickets le jour J, Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars TV, la chaîne du Japap du Bérin. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs, pour vous donner toutes les informations là sur Mu et Dieu. Oui, je sais que ma manière de faire, oui. J'ai vu. Ma collègue Lorraine fait une vidéo, l'autre jour, c'est Kimi. Une femme est venue commenter que, ouais, non, ma chérie, c'est bien, tu es douce, tu es toujours là, hein, Dieu va te bénir. Oui, oui, ta manière de parler, on aime. Oui, 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 tu n'es pas là pour prendre la haine, machin, truc. Oui, oui.
la personne ne n'a pas dit, tu n'es pas là pour prendre la haine comme buzz pour Mars et tout et tout et tout. Mais je sais que c'était une balle perdue pour moi là. Mais chacun a sa manière de faire dans ce monde-ci. Hein, la famille? Chacun a sa personnalité. Lorraine a sa personnalité. J'ai ma personnalité. Hmm? Oui? Voilà Kimi. Qui veut? Elle dit qu'elle va être chanteuse. Elle dit que Tata Agnès va être celle qui va présenter. Elle a mis tous les gens. Oh, telle Tata va être telle. Telle Tata va être abattue. Telle Tata va être. J'ai dit merde. Ça coïncide avec une vidéo qu'elle fait que Axel dit les Tata là. Il faut ici Tata tel, Tata Angel, Tata Georgette, Tata ceci, Tata. Il faut les respecter. Hein? Il faut se couper devant eux, machin. Mais les deux sont arrangés pour angoiser les Tata là. Vous n'avez pas constaté ça? C'est comme si c'est un jeu. Quelqu'un me prend que c'est une concurrence. Comme Axel a apprécié les Tata, elle aussi soit elle apprécie les Tata. Ou bien, comme elle a apprécié les Tata, Axel soit aussi l'apprécie. Ou bien, c'est qu'ils s'arrangent à deux. Que, hey, il faut qu'on angoisse les Tata là. Bah, c'est qu'ils ils se parlent. Quand je vous donne les infos comme ça, vous vous amenez à réfléchir aussi. Oui? Axel est sorti, j'ai fait la vidéo, elle a parlé des Tata. Il faut respecter les Tata, il faut ceci. Celle-ci parle, elle sort, elle fait sa part. Elle parle des Tata, mais d'une autre manière, mais vous, donc tu sens que ces deux-là, c'est comme ils sont coordonnés dans les idées. C'est comme s'ils savent ce qu'ils font, ces deux-là. La maman est de ça, hein? Les deux petites personnes-là, hein? Axel, Mary et Kimi. Vous jouez avec notre intelligence, hein? Non, non, la maman est là, ça donne. J'ai dit que les deux-ci doivent ouvrir l'école. Makosova, là, à l'école, c'est le premier élève à l'école, là, de la maman. Makoso sera le premier élève. Il dit qu'il est le père de la maman. Voilà. Tu as vu la maman Makoso. Apprends. Prends un cahier, tu prends le bic, tu viens t'asseoir. Tu apprends la maman entre les mains de Axel, Mary et Kimi. Ouais. Hey, vraiment. Les deux siens. Oui, oui. Non, angoissons. Oui, les tatas l'ont déjà trop offensé. Et c'est vrai. Les deux ont offensé les tatas. J'avais les... Bon, sans le vouloir. Parce que tu peux toujours prendre des décisions que... Qui favorise certains tatas et ne favorise pas d'autres. C'est comme ça. Arce a pris ces décisions-là et Kim la même chose. Tu prends certaines décisions, ça ne favorise pas d'autres. D'autres ne sont pas d'accord. C'est comme... Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, ils ont offensé cet tata-là, mais sans le vouloir, donc. Vous comprenez un peu? C'est ça. Selon les derniers événements, il y a les tatas. Tata Agnès, par exemple, elle est sortie et enchérie Arcel l'autre jour. Oui. Parce que Arcel ne tape pas la main sur la table, sur le cas de Grand Corbeau. Oui. Donc, vous comprenez que les tatas ne peuvent pas être d'accord sur tout. Il y a les tata, vraiment les Kimi. Quand elle est sortie parler à Lolo Beauté, que Lolo Beauté laisse ma vie, les tata étaient, il y avait les tata mécontentes. Il y a même ceux que, elle sort seulement, elle met la chanson de d'Arcel, son truc, sur sa page. Les tata sont mécontentes. Tu ne peux pas contenter tout le monde. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Même si tu es bon, tu es comme le Saint-Esprit, il y aura quelqu'un qui va sortir là et dire que ah, c'est, pourquoi tu as fait ceci? Ah, pourquoi tu es comme ça là? C'est comme ça. Et nous, combien de fois, nous les êtres humains, on a nos défauts, on a nos petits défauts là. Arsène n'est pas parfait, Kimi n'est pas parfaite. Donc, ces deux-là ont offensé cette tata-là. Ouais. Mais moi, de mon côté, je dis seulement cette tata-là. Ne vous fiez même pas souvent sur les choses que moi j'ai dit souvent là. Pour moi, je suis Buzz Pro Max. Je ne suis pas Axel Meryl ni Kimi. Pour moi, sort comme ça sort. Oui. Ça sort comme je ressens. Quand je sens que c'est comme ça, là. Oui. J'ai décidé d'aimer Axel comme Kimi. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu m'imposer ça. Personne ne m'impose ça. Personne ne me paye. Donc, il faut pas trop. Moi, j'essaie seulement de les soutenir avec le peu que je peux. Oui. Vous avez suivi? Arcel, même un tapoteur est important dans son truc. Même Kimi. Un tapoteur, vous envoyez le cœur, c'est là important. Tout le monde est important. Quand tu sais, quand il fait son live, tu montes même déjà dans son live, tu es important. Parce que ça comptabilise déjà.
Quand vous dites Kimi a 2000, Kimi a fait un live, il a 5000, c'est parce qu'il y a les gens qui sont montés sur ce live. Si vous ne montez pas sur les lives là, il n'aura pas ce public là. Hein? Et TikTok ne va pas lui donner cette position privilégiée là. C'est ça. Donc nous, comme ça, on est là pour soutenir ces gens et parler de leur projet. On parle. On dit qui m'a gagné tel, qui m'a ceci, tel, qui m'a fait ceci, qui m'a parti à tel orphelinat, tel, qui m'a fait ceci. C'est comme ça. Ça reprend la nouvelle. Ce que ces gens-là veulent. Ouais. Donc nous, on fait de notre mieux. Mais cette tata-là, c'est cette tata-là vraiment qui met le paquet. Donc je peux seulement exhorter cette tata-là. Si ces deux-là ont fait quelque chose, s'il vous plaît, pardonnez-les. Ne les enlevez pas votre soutien. Ne les enlevez pas votre soutien. C'est comme ça. Faut les soutenir. Et vous allez voir petit à petit d'autres jeunes vont suivre l'exemple. C'est comme ça que l'Afrique va grandir. C'est comme ça. C'est l'Afrique qui gagne. Oui. Il est même, j'aurais dû aimer que peut-être Axel Méry soit Camerounais, comme moi, et puis dire, oh, Axel, je suis fier. Mais je suis également fier d'Axel. C'est un Africain, c'est un Noir comme moi. C'est mon frère africain. C'est l'Afrique qui gagne. C'est les histoires des frontières, là. Mais la famille, bon, en tout cas, c'était tout, hein. C'était juste ma petite idée sur cette affaire-là, oui. Même quand on me dit que j'ai renchéri, je suis brut dans mes propos. On va faire comment, mais ce n'est comme ça. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, la famille. Bisous et hasta pronto. Et n'oubliez pas d'aller checker la chanson Célibataire d'Axel Méril. Hein? Et en passant, vous checkez aussi Libyanka. Ouais, avec son nouveau EP là. C'est de ça qu'il s'agit. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.